Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et du coup ça va être la vidéo sur la détection des chaleurs. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer, il faut savoir que la jument alterne ses périodes de chaleur et ses périodes de refus du mâle. Je pense que vous vous en doutiez. Donc là je vais commencer par vous donner les signes d'une jument en chaleur. Donc déjà il y a le clignement de la vulve. La jument se campe et la queue se lève. La jument émet des jets d'urine. Elle s'immobilise également à l'approche du mâle et accepte de se faire saillir par les talons. Parce que quand elle est en chaleur, c'est là où les talons va saillir la jument. Sinon, on dit qu'elle est en mode de refus du mâle parce qu'elle ne se laisse pas saillir. En période de refus du mâle, la jument ne se laisse pas approcher, elle tape, elle mord, elle fouille de la queue et voilà. Enfin, en gros, elle ne veut pas se laisser approcher. Du coup, elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas se faire approcher, pour montrer qu'elle ne veut pas se faire approcher. Donc, pour voir si elle est en chaleur, c'est le passage à la barre. Donc, on va prendre soit un entier, soit un mâle castré, mais qui a un comportement d'entier. Et on va le passer, en fait, devant la jument qui va être dans un sorte de petit couloir. Enfin, bref, je ne sais pas comment vous expliquer. Et du coup, la jument va être là. On va faire passer un entier ou un... Non, qui a un comportement d'entier. On va le mettre devant. Et on va... on va lui présenter l'entier, quoi. Et on va voir si elle lui dit oui ou si elle lui dit non. Donc ça, c'est le plus facile pour voir... C'est d'approcher l'entier près de la jument et on voit les réactions de la jument. Et du coup, on voit si elle est en chaleur ou si elle n'est pas en chaleur. Il y a aussi une grande variation entre la durée des cycles des juments. Du coup, il faut vraiment bien que l'éleveur ou enfin le propriétaire de la jument connaisse bien sa jument pour savoir combien de temps, quand est-ce qu'elle va être en chaleur, combien de temps ça va durer, etc. etc. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut !